Salut les cyberindépendants, donc aujourd'hui je suis avec Arthur qui va nous parler de son business autour d'Amazon. Donc salut Arthur, comment tu vas? Salut Alex, ça va et toi? Eh ben ça va bien, content de t'avoir en interview. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on devait se caler à un moment pour faire une interview et voilà, bah, on y est enfin. Donc écoute, je vais t'inviter à te présenter et puis un petit peu nous parler de ton parcours professionnel, comment t'es tombé sur Internet, comment t'es tombé sur Amazon. Voilà, on veut tout savoir. Ok, très bien. Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Comme tu as dit, ça fait un moment qu'on doit faire cette interview, donc c'est cool qu'on puisse enfin la faire. Donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 29 ans et ça fait à peu près 5 ans, j'ai commencé fin 2018 le business en ligne quand j'étais encore étudiant en fait. Donc j'ai fait des études d'ingénieur assez classiques et à la fin de mes études, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux biz en ligne. Au début, j'avais commencé par tout ce qui était e-commerce, dropshipping et je faisais aussi un petit peu de freelance, mais c'était toujours en fait dans le milieu de l'e-commerce, du marketing digital, etc. Et puis petit à petit, mes sites de dropshipping ont commencé à fonctionner. J'ai eu un petit peu de capital et c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans Amazon, dont on pourra reparler par la suite. Et puis aujourd'hui, je suis principalement vendeur sur Amazon. Je fais toujours un petit peu de dropshipping, d'e-commerce avec mes marques. Et puis plus récemment, j'ai commencé donc à créer du contenu autour d'Amazon pour aider les gens un petit peu à se lancer en e-commerce, en marketing, que ce soit sur YouTube, sur des formats un petit peu plus courts, sur TikTok, etc., dont on aura l'occasion de reparler à la suite de cette interview. Exact. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une interview il y a quelques jours avec Maxime d'Ecom French Touch et c'est pareil, il a commencé à peu près au même moment. Et moi également, on a tous à peu près démarré autour de 2018. Donc, tu m'as dit que ça faisait 5 ans. 2023, je pense que tu as démarré en 2018 dans le dropshipping, dans l'e-commerce. Et ouais, c'était la grosse période, ouais. De cette vague. Comment toi, tu as eu le déclic? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as vu passer le drop, tu t'es dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant? Ou est-ce que tu as eu un déclic, tu t'es dit, j'ai envie de changer, d'avoir une vie un peu différente, de travailler sur Internet? Comment toi, tu l'as vécu? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, moi, en fait, j'ai fait des études assez longues, entre guillemets, tu vois, je me prédestinais à être ingénieur, donc j'ai pas quitté mon école, j'ai pas arrêté l'école ou quoi, j'ai vraiment terminé mes études et c'est vraiment à la fin de mes études que fin 2018 là le drop a commencé un petit peu à exploser en France avec plusieurs vidéos et j'étais tombé, je me rappelle même plus exactement comment, sur YouTube par hasard, tu vois, sur une vidéo de drop et à l'époque j'étais étudiant et j'avais pas mal de temps, j'étais étudiant aux États-Unis en fait. J'avais fait une année d'échange et j'avais cours du lundi au mercredi et ensuite j'avais énormément de temps, je savais pas trop quoi faire. Quand t'es étudiant, au début tu sors un petit peu, après t'as plus d'argent donc tu sors plus. Et j'ai vu ce truc de dropshipping sur YouTube et je me suis dit, j'avais toujours cette vision qu'il faut créer une entreprise, il faut avoir une idée de fou à la Facebook, etc. Et là, je me suis dit, mais attends, mais avec 100 euros de pub, c'était à l'époque, hein, aujourd'hui, il faudrait peut-être plus de budget, mais à l'époque, avec 100 euros de pub Facebook, je peux me lancer en drop, commencer, même si je fais pas beaucoup d'argent. Le but au début, moi, je me disais vraiment, je me disais jamais que j'allais me lancer vraiment là-dedans. Je me disais, OK, je vais être ingénieur sur le côté. Je me rappelle chercher des stages et tout pour terminer mes études. Et en parallèle, je me disais, OK, si j'arrive à générer 1000 euros, même 500 euros, 1000 euros, 1500 euros sur le côté avec le dropshipping, c'est un truc qui m'intéresse. Je prenais vraiment du plaisir à créer mes Shopify, faire mes pubs et tout, ça m'intéressait vraiment, vraiment à fond. Et je me disais, si j'arrive à me générer un petit truc à côté, c'est encore mieux, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, comme ça que je me suis lancé en étant étudiant, en parallèle de ma recherche de stage un petit peu. Et puis petit à petit, j'ai un petit peu délaissé la recherche de stage pour parce que je voyais que toute la partie entrepreneuriat, je commençais à m'intéresser de plus en plus, à regarder des vidéos sur YouTube, des trucs de nomadisme digital. Ouais. Et je me disais, OK, c'est vraiment possible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est possible, que j'ai découvert tout ce monde et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus, quoi. Ouais, je te comprends totalement parce que c'est vrai que... À la base, l'entrepreneuriat, on voit ça un petit peu comme le gros truc, tu vois, c'est-à-dire que il faut avoir des locaux, il faut avoir des employés, c'est un gros truc, il faut avoir limite une levée de fonds, enfin, c'est un truc sans fin, alors qu'en fait, finalement, aujourd'hui, avec un ordinateur, une connexion Internet, un petit peu de temps et un petit peu de compétences que tu peux développer, bah, finalement, assez facilement maintenant, avec tout le savoir qu'il y a partout sur Internet, en fait, tu peux déjà lancer une activité. Et je pense que quand tu as vu un petit peu le temps
t'allais prendre finalement à devenir ingénieur, et de l'autre côté que tu pouvais monter à business à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros assez rapidement, ça change un petit peu ton état d'esprit, je pense aussi à ce moment-là. Ouais, c'est clair, tu te dis. En fait, j'ai toujours eu un petit peu, je pense, il y a beaucoup de gens qui l'ont, cette idée de dire, tiens, ça serait cool d'être indépendant, d'être mon propre patron, de créer des trucs, tu vois. Mais tu te dis toujours, il faut que je crée la start-up de fou avec des locaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, je vais commencer par être cadre dans une boîte, faire un petit peu d'argent. Puis une fois que j'aurai une idée, je me lancerai, machin, etc. Et quand tu commences à tomber dans ce monde de YouTube, du marketing en ligne, etc., c'est vrai que tu découvres une autre partie du monde dont tu n'avais même pas l'idée. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est pas simple, mais il y a vraiment tellement de possibilités de faire de l'argent en ligne, etc., que à l'époque, ça me paraissait impossible par rapport à trouver un stage. Et aujourd'hui, je trouverais même que c'est plus simple de créer un business qui rapporte un petit peu d'argent par mois plutôt que de me trouver un stage, me trouver un emploi, etc., surtout là, depuis la crise, le Covid, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment une opportunité à l'époque dont j'avais même pas l'idée que ça existait. Et une fois que tu commences à rentrer dedans, c'est dur d'en sortir, quoi. Ouais, c'est un peu l'iceberg. Et même, tu vois, je trouve même que c'est même dur finalement d'être salarié pour certains jobs. Tu te dis, Ouais. le matin à 6 h, tu vas bosser. Enfin, voilà, tu donnes énormément de ton temps, 35 heures par semaine pour à la fin du mois gagner 1000, 1200 euros. C'était vraiment au bas, c'était vraiment au SMIC. Alors qu'en fait, tu peux rester chez toi et les faire largement, quoi. Enfin, c'est technique. Ouais, moi, je me dis toujours que à l'époque, c'était mon but, tu vois, je me disais, ok, si j'arrive à gagner, je sais pas, 1500 euros par mois, c'est bon, je suis royal, je peux travailler où je veux, quand je veux, je peux aller voyager Il y a d'où je ça. veux, quand je veux, En plus, il y a ça. etc. Voilà, et même aujourd'hui, je me dirais, honnêtement, aujourd'hui, je préférais gagner 1500, 2000 euros par mois en étant entrepreneur. Plutôt que d'être même salarié à 3 000, 4 000, 5 000 euros, je pense. Au-delà de l'argent, même si je gagne bien plus que 2 000 euros par mois, donc c'est encore mieux, tu vois. Mais je me dis, la liberté, c'est vraiment le principal. Tant que j'arrive à me loger, à manger, à faire mes loisirs un petit peu, etc., il n'y a pas besoin de beaucoup. J'ai pas des goûts de luxe, j'achète quasiment jamais rien, j'ai pas de voiture, j'ai rien, tu vois. Mais par contre, la liberté, par contre, ça c'est vraiment super important. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Au début, tu Carrément. cherches un peu l'argent, et une fois que tu as l'argent, tu te Exact. dis, ok, c'est pas l'important, quoi. Ouais, totalement. Bah, quoi dire de plus, hein, c'est Ouais. exactement ça en fait. Hein. Au début, c'est vrai que et toi, par rapport à ce que tu expliquais, tu étais peut-être un peu plus au début, voilà, un complément de revenu, essayer de faire un petit peu d'argent à côté de tes études. Mais en fait, après, dès que tu as goûté un petit peu à ça, dès que tu as goûté aux avantages finalement d'avoir une activité sur Internet, c'est là que tu te rends compte que la liberté, c'est le plus important, la liberté de faire ce que tu veux. Moi, comme je dis, hein, les trois libertés, hein, tu as la liberté financière qui te permet d'être ton propre patron et de pas forcément devoir chercher un boulot et te casser la tête avec ça. La liberté géographique, de pouvoir travailler d'où tu veux et tu es bien placé pour en parler. On en parlera tout à l'heure puisque tu es dans une destination qui m'intéresse pas mal. Et troisièmement, la liberté temporelle, puisque grâce à une activité sur Internet, bah, t'as pas besoin de t'échanges pas ton temps contre de l'argent, quoi. T'es pas là à calculer, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé 8 heures, je suis payé tant euros de l'heure, je vais gagner ça. En fait, tu mets des choses en place, tu plantes des graines et puis après tu récoltes ce que tu as semé. Donc Ouais, c'est un peu la phrase un peu classique bateau que tout le monde dit, mais c'est tellement vrai, quoi. c'est ça, hein, c'est ça. Ça fait des années que j'entends ça et voilà. Et au fond, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, Ouais, exactement. tu as commencé donc par le dropshipping, comme beaucoup dans cette phase-là, entre 2017 et 2019. Et tu es tombé sur Amazon après, c'est ça? Ouais, en fait, en fait, j'ai commencé à faire du dropshipping, et au début, tu vois, le dropshipping, il faut quand même du temps à tester des produits, à lancer des shops, etc. Donc, à l'époque, c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui. Donc, j'ai pas non plus dépensé des milliers d'euros en testing, etc. Mais par contre, ça m'a pris un peu de temps. Je pense que il y a une part de chance aussi en fonction du produit sur lequel tu tombes. Mais moi, je partais vraiment de zéro en termes de marketing et tout. Donc, il fallait tout que j'apprenne à monter à Shopify, à faire des pubs Facebook. Donc, en parallèle de ce dropshipping-là, vu que quand même j'avais des compétences, que je commençais à savoir monter des shops, à installer, à paramétrer des apps sur Shopify et tout, pour me faire un petit peu de capital, j'ai commencé à vendre mes services sur 5euros.com, qui a changé de nom aujourd'hui. Ouais, voilà.
Voilà, comme up, ouais. s'appelle Comme, voilà. Et à l'époque, c'était vraiment pas connu, tu vois, fin 2018. Du coup, je me suis Non, vite non, placé pas du tout. parmi les meilleurs. J'étais dans le top 5 des prestataires sur D'accord. 5euros.com, tu vois. J'ai dû Mais te croiser alors à l'époque, hein, parce que j'ai lancé le ouais, mien c'est. en 2018 et ouais, j'ai 700 commandes, je crois, dessus aussi. J'ai fait pas mal de petits services aussi. Ouais, et à l'époque, même les plus gros vendeurs, je crois qu'ils généraient 3-4 000 euros par mois sur 5euros.com. À mon avis, aujourd'hui, les gros vendeurs, ils génèrent beaucoup plus, tu vois. Donc, ça me faisait du capital que je réinjectais derrière dans mon e-commerce. Et puis un jour, le drop a commencé à fonctionner, je commençais à faire des chiffres. Mais là où je suis passé, donc sur la vente sur Amazon, c'est que le dropshipping, c'est quand même beaucoup de. Comment dire, c'est pas un business très très propre entre guillemets. Il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de blocage quand tu commences à faire du chiffre, de te faire bloquer par Facebook, par Shopify, par PayPal, par Stripe. Après, il y a des problèmes pour payer la TVA, c'est quand même pas évident, c'est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes, de trucs Ça un s'est peu vachement problématiques. complexifié, j'ai vu l'évolution. Moi, j'ai continué, j'ai encore fait un peu de drop en 2020 en SEO, mais non, j'ai revendu, j'avais deux shops, je les ai revendus en 2021, je crois, début 2021. Il y avait beaucoup, beaucoup de friction. Il y a eu la loi aussi qui est passée. Alors, je ne sais plus si c'était en 2021, je crois que c'était été 2021, justement, sur l'importation de produits en Chine, ouais, où tu te prenais la TVA en fait. Donc, il y a eu aussi, il y a eu un peu tout, il y a eu beaucoup de scandales, hein, autour du dropshipping, hein, aujourd'hui. Même si le mot dropshipping, même si le dropshipping en soi est légal, hein, je veux dire, il y en a partout. Pour autant, le mot dropshipping est devenu un petit peu le mot qu'il ne faut pas prononcer. Et Ouais, surtout en c'est la mauvaise France, pub. moi qui vais en France, aux US et dans d'autres pays, c'est moins mal vu quand même. En France, c'est vraiment très très mal vu et il y a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent ça qu'en 2018, quoi. Donc, Il y en a qui ont fait trop de moi, conneries, c'était. il y en a qui ne voyaient pas les prix. C'est surtout à cause de ça, en fait, hein. Les influenceurs qui mentaient sur les caractéristiques des produits, sur les normes CE, ce genre de choses. Et après, les personnes qui ne voyaient carrément pas les produits, c'est ce qui a un peu cassé le dropshipping, même si une fois de plus, le dropshipping est en soi totalement légal, hein, mais voilà. Ouais, tu vois, moi, j'ai toujours fait, par contre, les choses propres en drop. J'ai des shops. Que j'ai toujours aujourd'hui, que j'ai lancé c'était début 2019, même fin 2018, mes tout premiers shops. J'ai un de mes premiers shops, par exemple, qui tourne encore aujourd'hui. À l'époque, je le faisais tourner en pub Facebook classique, dropshipping. Et aujourd'hui, il y a plein de produits, il y a plusieurs produits qui sont brandés, qui tournent en Google Ads, en SEO, etc. Donc, c'est quand même un bon business. Mais voilà, à l'époque, c'était donc fin 2019, j'ai commencé à avoir un petit peu les problèmes avec ce business, etc. Je m'étais dit, bon, c'est bien parce que ça fait quand même de l'argent, mais ça serait bien que je réinvestisse cet argent dans un truc un peu plus pérenne, un peu plus solide. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire et où je suis bon, c'est typiquement en e-commerce, en marketing pour vendre des produits physiques. Et je me suis dit, où est-ce que les gens ils achètent la plupart de leurs produits? C'est sur Amazon. Et après, j'ai commencé à me renseigner justement sur Amazon, à voir ce qu'il était possible de faire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce business model aux États-Unis, un petit peu moins en France. C'est moins connu en tout cas que le dropshipping, mais ça m'a tout de suite fait tilt, ça m'a tout de suite intéressé. C'est beaucoup plus propre et carré entre guillemets que le drop. Mais par contre, il faut un petit budget à investir au début pour acheter un stock. Donc il y a peut-être un petit peu plus entre guillemets de barrière à l'entrée, en tout cas au niveau financier. Même si aujourd'hui la barrière à l'entrée financière en dropshipping elle est quand même assez élevée parce qu'il faut dépenser beaucoup plus d'argent pour pouvoir se lancer, pouvoir commencer à faire ses premiers testings et tout. Donc ouais, fin 2019, c'est là que j'ai commencé à délaisser un petit peu le drop et à réinvestir l'argent du dropshipping pour vendre mes produits, créer mes marques directement en fait sur Amazon. Sur Amazon. Alors, Amazon, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne Amazon. Pourtant, moi, voilà, je suis un gros consommateur d'Amazon. Hein, j'aime beaucoup Amazon. Investisseur aussi, hein, chez Amazon pour quelques actions, évidemment. Est-ce que tu pourrais expliquer de manière simple comment fonctionne Amazon FBA? Parce que j'avais fait une interview d'un ami il y a quelques temps, William, qui lui était sur Amazon KDP. Donc forcément, tu dois connaître Amazon Merch aussi. On avait ensemble expliqué un petit peu le business model, mais il y a également donc Amazon FBA, c'est ce que tu fais,
Mais comment ça fonctionne? Parce que je pense que la plupart des gens aujourd'hui vont sur Amazon, commandent un produit, et je pense que ces personnes ont tendance à se dire, bah voilà, en fait, Amazon a d'énormes entrepôts, c'est leur produit à eux. En fait, ils vendent leurs produits, voilà, comme un petit magasin classique, en fait, qui vendrait ses propres produits. Mais en fait, c'est beaucoup plus, je dirais pas complexe, mais c'est beaucoup plus poussé que ça. En fait, Amazon est une place de marché, et je pense qu'il faut que tu expliques un petit peu bah, comment ça fonctionne et comment toi, en fait, t'arrives à gagner de l'argent avec ça. Ouais, voilà, bah tu l'as dit, Amazon, c'est une place de marché, donc c'est vraiment le point principal à comprendre. La plupart des gens, ils pensent que quand ils achètent un produit chez Amazon, c'est Amazon qui fait le produit, qui leur expédie, etc. Alors qu'en fait, n'importe qui a une entreprise peut s'inscrire sur Amazon et utiliser en fait la plateforme d'Amazon déjà pour vendre ses produits, donc pour pouvoir mettre son listing, etc. Et même derrière, peut utiliser en fait le réseau logistique d'Amazon, ce qui fait que toi, en tant que vendeur, tu vas t'inscrire sur Amazon, tu vas mettre ton produit en ligne sur Amazon avec donc tes images, tes descriptions, etc. Et derrière, ce que font la plupart des vendeurs qui fonctionnent dans ce qu'on appelle FBA, donc FBA, ça veut dire Fulfilled by Amazon, donc expédié par Amazon, c'est qu'ils ont leurs produits qui sont dans les entrepôts d'Amazon. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'un client commande, c'est Amazon qui va s'occuper donc de prendre le produit, de l'expédier au client, ce qui fait que tu peux avoir la livraison donc Prime sur tes produits, ce qui est aussi un gros avantage par rapport au dropshipping, parce que tes clients sont livrés dès le lendemain. Un autre des avantages aussi, c'est que les clients, ils font confiance à Amazon, ils sont inscrits sur Amazon, ils ont leur carte bleue qui est inscrite, ils ont leur adresse, ils peuvent recevoir leurs À produits le faire, lendemain. t'as pas réellement Voilà. d'acquisition, t'as pas d'acquisition, t'as pas à te faire connaître ton site, à propulser ton site en fait. Mais tu n'as même pas à créer de site tout court, quoi. Donc, c'est royal. Et derrière aussi, Amazon s'occupe de tout ce qui est service client. Il va gérer si jamais le client veut retourner le produit, c'est Amazon qui gère tout ça. Donc, en termes de service client, le dropshipping et Amazon FBA, c'est vraiment C'est aux deux l'opposé. opposés, quoi. Parce que le dropshipping, c'est quasiment que du service client. Enfin, il y en a énormément de gens qui vont me demander où est mon colis, j'ai mal reçu, il faut gérer les retours. Amazon, c'est l'inverse. Moi, j'ai sur mes business de dropshipping, j'ai trois personnes qui s'occupent du service client, qui passent quelques heures par jour à gérer tout ça, les emails, etc. Alors que sur Amazon, c'est moi qui gère le service client parce que je dois avoir peut-être deux, trois messages par semaine maximum de gens qui n'ont pas forcément compris. Et derrière, tu leur envoies, tu leur expliques. Et voilà, le principe en gros d'Amazon FBA, c'est que toi, en tant que vendeur, tu crées ta marque, tu expédies tes produits dans les entrepôts d'Amazon, et derrière, une fois que le produit est, c'est Amazon qui gère toute la logistique et tu n'as à t'occuper de rien en fait. D'accord. Donc là, en fait, la première étape, donc, c'est en fait de souscrire à un abonnement. Je crois, donc, pour être vendeur Amazon FBA, ça coûte quoi? C'est une quarantaine d'euros par mois, ça, non, à peu près. Ouais, hors taxe, c'est 50 euros par mois, il me semble, mais en sachant que c'est pas nécessaire. Au début, le premier point pour débuter, ça serait vraiment déjà de commencer à rechercher un produit. Et un autre gros avantage du business sur Amazon, c'est que tu as des logiciels de recherche de produits qui te sortent littéralement ce produit sur Amazon, il a fait tant de ventes, il est recherché tant de fois par mois. Donc, tu as énormément d'informations pour faire tes recherches de marché. Et tu sais que si tu as un produit qui se vend beaucoup, que toi tu lances le tien, que tu te différencies un petit peu, etc., il y a plusieurs stratégies à connaître. Tu sais, en fait, tu as les chiffres derrière pour backer, pour pas lancer un produit à l'aveugle sans vraiment savoir ce que tu fais, quoi. Donc ça, oui, ça, c'est souvent ce que tu partages d'ailleurs dans tes vidéos courtes, Ouais. voilà, tu partages souvent justement, tu montres en fait le chiffre d'affaires qu'a généré un produit. Donc pour savoir ça, tu utilises un outil. J'ai le nom, je sais plus le nom exact. Ouais, t'as un logiciel qui s'appelle Helium 10, c'est un des plus Voilà, connus. exact. Voilà. Donc Et tu t'as utilises Jungle Scout aussi, qui est un autre. Jungle Scout. Ouais, j'avais regardé un peu tout ça il y a quelques temps. Et voilà, tu utilises en fait des outils qui vont te permettre d'avoir de la data. Et grâce à cette data, en fait, tu arrives à faire un peu du sourcing de produits. Une fois que tu as trouvé un produit, tu achètes des stocks de ce produit donc auprès d'un fournisseur, tu envoies ton stock à Amazon et ensuite, eh bien, tu te marches comme ça. Enfin, Ouais, explique. voilà, il y a une autre grosse partie, donc en dehors d'Amazon, qui est importante. C'est aussi, donc, comme tu l'as dit, toute la partie sourcing. Une fois que tu trouves un produit qui est intéressant, tu vois qu'il y a une forte demande, tu vois que tu peux te différencier et tu vois qu'il y a peu de concurrence. Donc ça, c'est vraiment les trois critères principaux. C'est
forte demande, donc ça veut dire que le produit, il a des ventes. Faible concurrence, ça peut être que le produit, il a beaucoup de ventes, mais par exemple, il a peu d'avis ou alors il a des avis de mauvaise qualité. Et le troisième, c'est que tu peux te différencier pour proposer un produit qui soit, ça peut être tout con, hein, ça peut être juste rajouter un packaging un peu sympa, ça peut être juste rajouter une petite notice en français, ça peut être mettre plusieurs produits qui se vendent souvent ensemble, un petit accessoire. Et derrière, une fois que tu as ça, tu passes donc sur, en général, la plupart des gens, ils vont se sourcer, se fournir en Chine sur Alibaba.com, qui est pareil, une place de marché de fournisseurs. Donc, tu vas taper le nom de ton produit, contacter plusieurs fournisseurs, commencer à leur dire, je voudrais ça, est-ce que c'est possible de me faire ça, etc. Recevoir des échantillons, les tester un petit peu, sélectionner un fournisseur. Et une fois que tu as sélectionné donc ton fournisseur, ton produit, il va te faire la production du produit. Et un autre truc qui est super pratique, c'est que le produit, le fournisseur, il l'envoie directement dans les entrepôts d'Amazon. Donc, toi, Ah ouais, d'accord. Excellent. t'as même pas, parce que moi, tu vois, j'habite pas en France, j'habite même pas en Europe. Mes produits, je vois, j'ai les échantillons que je teste, mais par contre, une fois que c'est fait, le fournisseur envoie directement dans les entrepôts d'Amazon. Moi, je touche pas les produits. Ah, c'est génial. Voilà, j'ai pas apporté des cartons, etc. C'est vraiment, tu peux tout gérer depuis ton ordi, et une fois que c'est dans les entrepôts d'Amazon, les produits sont prêts à la vente et c'est parti, quoi. Ok, donc ouais, c'est un petit peu comme un grand marché en fait, hein, si je pouvais comparer avec un peu un grand village en fait, où il y a un marché qui est très populaire tous les mois ou tous les ans, et toi en fait finalement, bah, tu arrives à vendre des produits sans même être sur place. C'est ça qui est dingue. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un à ta place qui tu lui envoyais les produits, il arrivait à vendre et en bénéficiant surtout de la puissance de ce marché, puisque bah, finalement tu bénéficies donc de l'aura d'Amazon, qui est quand même le plus grand site e-commerce au monde. Tu bénéficies du service Amazon Prime, donc livraison en un jour ouvré, qui est juste dingue. Un service client Amazon, pareil, qui est excellent. Et finalement, toi, tu as juste, en fait, juste entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais à piloter, à bien choisir tes produits, sélectionner des produits, disons, gagnants ou des produits à fort potentiel. Et de gérer un petit peu cette logistique-là. Mais voilà, après, finalement, t'as pas toute la partie, on va dire, un peu redondante du dropshipping avec comme tu dis, bah, voilà, mon produit, il y a ci, il y a ça, il y a un problème sur la boutique, il y a un problème au niveau du processeur de paiement. Voilà. Donc, ok, ça te permet de couper pas mal d'étapes et peut-être être plus efficient pour le coup, parce que ça te prend moins de temps que de faire du drop, je suppose. Ah, c'est en fait le truc en Amazon, c'est qu'il y a beaucoup de taf en amont pour toute la partie trouver un produit, lancer un produit, donc rédiger le listing, faire les photos. Sur Amazon, c'est important d'avoir vraiment des produits de qualité, parce que c'est pas comme en dropshipping où la plupart des gens qui font du dropshipping, ils vont apporter des avis AliExpress, ils vont mettre même des Exact. certains qui vont mettre des faux avis. Sur Amazon, si tu as un produit de mauvaise qualité, tu te fais allumer dans les avis, tu n'as aucun contrôle là-dessus, et donc c'est mort. Donc il y a beaucoup de travail, et en plus, vu que tu dois acheter du stock, donc avancer le stock, même si ce n'est pas des montants faramineux. Pour une première commande, tu vas commander, je sais pas, 150, 200 unités, 300 unités. Ça fait quand même des petits montants à investir, contrairement au drop où tu n'avances pas le stock. Donc il y a quand même plus de réflexion, tu ne lances pas autant de produits qu'en drop, par exemple. Mais c'est vrai que derrière, c'est beaucoup plus long terme, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus rémunérateur. Il y a des potentiels de revendre ta marque, et surtout, tu as des clients beaucoup plus satisfaits qu'en drop, parce que tu peux pas te rater, tu es obligé d'avoir des produits de qualité où les clients sont contents, tu vois. Ok. Non mais ouais, c'est intéressant, hein. Je pense que moi, je reçois, il y a beaucoup de personnes qui me demandent quel business commencer, mais en fait, je pense il y a pas forcément de meilleur business. En fait, faut vraiment faire un truc qui nous convient. Mais en tout cas, Amazon est encore une autre possibilité. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal d'avantages à Amazon, puisque bon, tu bénéficies quand même de l'aura Amazon. Amazon est en croissance. Enfin, voilà. Et puis au niveau des produits, alors moi j'avais une question. Justement, au niveau des produits, est-ce que tu te spécialises dans une niche, dans une thématique, ou est-ce que tu vends un petit peu tous les produits que tu considères être gagnants, en fait? En fait, la stratégie sur Amazon, donc c'est ce qu'on appelle du private label. Donc c'est
c'est de la marque blanche. Donc, c'est de créer sa propre marque et de dire derrière au fournisseur, lorsque tu revends un produit, par exemple, je sais pas, un épilateur électrique, est-ce que c'est possible de mettre les couleurs de ma marque, de mettre le logo de ma marque sur le produit, sur l'emballage, pour faire un produit qui soit un petit peu plus de qui ait une valeur perçue qui soit plus importante. Parce que sur Amazon, il y a beaucoup de vendeurs chinois et toi, en tant que vendeur en private label, tu ne pourras jamais t'aligner sur leur prix, etc. Donc, ça ne sert à rien de faire la guerre des prix. Il vaut mieux proposer un produit de meilleure qualité, plus cher, parce que de toute façon, tu ne battras jamais les usines chinoises sur les prix. Et après, la stratégie, donc, en général, moi, ce que je conseille, c'est de créer donc, une marque. Ça peut être une marque qui est, par exemple, une marque de cuisine, une marque de produits de sport, une marque de produits pour enfants, une marque de produits de beauté, etc. De commencer donc avec un premier produit et puis ensuite d'élargir un petit peu la gamme. Et puis, si jamais un jour, tu tombes sur un produit qui est intéressant, mais qui n'est pas du tout dans la marque. Imaginons que tu aies créé des outils une marque d'outils de bricolage et tu vois un outil de cuisine qui est super intéressant. Créer une marque, ça coûte moins de 200 euros en France. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je cherche d'abord le produit et ensuite j'essaie de voir soit si ça peut fitter dans une de mes marques. Donc, pour l'instant, par exemple, j'ai trois marques et si ça ne fit pas, je crée une nouvelle marque pour ce produit spécifiquement. C'est un petit investissement, mais ça vaut le coup. Plutôt que d'avoir un produit générique ou d'avoir une marque générique qui ne fait pas très très sérieux. Là, c'est un bon investissement pour avoir une valeur perçue au niveau du client et que le client se dise « Ok, ça c'est un produit de marque, il est plus cher que les concurrents, mais par contre, il a l'air de meilleure qualité, il a des meilleurs avis, c'est une vraie marque, il y a un manuel en français et pas un manuel en chinois, etc. etc. » Donc voilà en gros la stratégie, c'est ce qu'on appelle le private label, donc marque blanche, créer sa marque, la mettre sur le produit et puis vendre son produit. Ouais. Ouais, quand tu parles de créer une marque, c'est que tu la déposes à l'INPI par exemple, c'est ça? Ouais, voilà, tout simplement, tu vas sur 5euros.com, tu demandes à un graphiste de te faire un petit logo, tu la déposes sur l'INPI et puis derrière tu l'enregistres sur Amazon et puis c'est tout, ça suffit largement pour commencer à vendre quoi. Te protéger, surtout pour te protéger, pour pas qu'on pique ton nom de marque aussi. Hein, ça permet de se protéger des contrefaçons aussi. Ouais. Ok, non, mais bon, en tout cas, je pense que ça permet de mieux visualiser pour la plupart des personnes un petit peu comment fonctionne Amazon SBA et puis comment tu arrives à en vivre maintenant. Donc, au niveau du modèle économique, ok, maintenant au niveau du travail, concrètement, ça ressemble à quoi une journée de comme toi, de quelqu'un qui est vendeur sur Amazon FBA? On parlera après de la partie YouTube un peu après. Il y a une grosse partie, comme j'ai dit, qui est toute la phase de lancement du produit. Une fois qu'un produit il est lancé sur Amazon, après, en général, c'est assez automatisé. Donc, la grosse partie du travail, ça va être de sourcer des nouveaux produits. Donc, okay. J'ai pas forcément de journée type. Ça va dépendre un petit peu des tâches que j'ai. Mais en général, j'essaye de me faire un petit peu de recherche produit chaque jour pour trouver des nouveaux produits. Je vérifie sur mon interface Amazon que les autres produits continuent de tourner, continuent de vendre. Mais comme j'ai dit, une fois que la phase de lancement où tu as tout préparé est faite, c'est assez long terme et ton produit il va tourner pendant assez longtemps. C'est pas du drop où il va s'épuiser au bout de mois ou alors il y a beaucoup de travail à gérer au niveau de la publicité. Donc, au final, une fois qu'un produit est lancé, que tu as ton produit, soit tu vas essayer d'étendre ta marque, soit lancer une nouvelle marque, trouver de nouveaux produits. Et le taf au niveau du produit qui est existant, ça va être et de gérer un petit peu la publicité parce qu'il y a un système de publicité intégré à Amazon. Ouais, qui est interne à Amazon, voilà. C'est ça. OK. Et puis aussi, recommander au niveau de ton fournisseur, en fait, lorsque tu vois que ton stock commence à diminuer, tu repasses une commande au niveau du fournisseur pour remplir tes stocks sur Amazon et éviter de tomber en rupture de stock et puis continuer à vendre. Mais comme j'ai dit, le gros du taf, c'est trouver le produit, lancer le produit, avoir un produit qui marche, commencer à récolter des avis aussi, c'est très important. Et puis une fois que ça s'est lancé, c'est le scaling, entre guillemets, se passe au niveau de d'étendre sa gamme. Et si après tu veux scaler un produit un peu plus spécifiquement, tu peux aussi commencer à créer par exemple un site e-commerce avec ce produit sur le côté. Comme ça, les gens ils ont le choix de l'acheter soit sur Amazon, soit sur ton site e-commerce. Tu peux faire de la publicité. Tu peux, moi, ce que j'ai fait récemment avec un produit, tu vois, je l'ai envoyé gratuitement par exemple à quelqu'un sur TikTok qui fait
des reviews de produits, tu vois. Il m'a fait une petite review, moi ça m'a apporté des ventes, donc c'est un peu du marketing d'influence. Ouais. Tu peux faire ça sur YouTube, sur Instagram. Ouais. Donc après, pour scaler, le truc sur Amazon, c'est que tu es limité au volume de recherche. Tu vois, imaginons que tu vends des tuyaux d'arrosage rouge. Il y a un nombre limité de personnes par mois qui vont acheter des tuyaux d'arrosage rouge et c'est compliqué de scaler vraiment, à moins que tu aies un produit un petit peu innovant, un petit peu différent, mais tu vas pas pouvoir augmenter le budget pub et en vendre plus. Donc, c'est soit tu passes par d'autres canaux, donc créer un site Shopify, un site e-commerce, parler à des influenceurs, faire de la publicité, soit tu élargis ta gamme, soit tu crées une nouvelle marque pour pouvoir en fait scaler. Donc, imaginons que tu aies un produit qui te génère, je sais pas, 800 € par mois, et ben si tu en lances 3, 4, etc., comme ça, qui te génère chacun 800 € par mois, tu peux commencer à avoir un bon bénéfice et puis à remplacer ton salaire, avoir un bon complément de salaire sur le côté, quoi. Ok. Au niveau des recherches, des recherches SEO, tu te bases uniquement sur Amazon ou tu en fais aussi sur Google pour un petit peu comparer Moi, je me base principalement sur Amazon parce que l'outil qu'on a donné qui permet d'étudier les volumes de recherche, donc Helium 10, il te donne aussi, enfin qui permet d'étudier les volumes de vente, il te donne aussi les volumes de recherche, donc tu sais quels mots-clés, etc., tu dois placer dans ton titre, dans ta description. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi des sites. À chaque fois que je crée une marque, je crée un petit site Shopify pour cette marque où je mets en fait, je remets le même produit, les mêmes photos, la même description. Ça coûte pas grand-chose. Je paye quelqu'un pour faire des petits articles de blog. Ça coûte pas grand-chose non plus. Et puis comme ça bosse un petit peu le SEO. Mais honnêtement, le gros du trafic qui se fait sur Amazon plus qu'en SEO, mais c'est quand même bien d'avoir un petit site sur le côté. En backup, c'est pas mal. Peut-être, hein. Enfin, moi, je suis plus sur les sites de niche SEO. Et justement, en backup, si tu crées une marque que tu arrives à te référencer sur les longues traînes, par exemple, tu parlais de tuyaux d'arrosage rouge, tu arrives à te référencer dessus, à mettre en avant ta marque et à faire une redirection vers Amazon, ça peut. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Les gens, ils achètent pas sur mon site, en fait, il y a un bouton acheter sur Amazon qui les redirige sur Amazon parce que ça me permet de générer du trafic, de récolter des avis aussi sur Amazon. Et puis, l'avantage d'avoir un site, c'est que si la personne, elle tape le nom de ta marque, par exemple, parce qu'elle veut faire des recherches sur le produit qu'elle va acheter, elle va voir que tu as un site, que c'est pro, que c'est sérieux. Et puis aussi, si jamais tu veux revendre ta marque, c'est toujours bien d'avoir un petit site qui existe déjà, d'avoir le nom de domaine au nom de ta marque, d'avoir le site qui tourne un petit peu avec un peu d'ancienneté. Ça fait toujours mieux au niveau de l'acheteur si jamais tu veux revendre ta marque. Et c'est pas grand chose. Un Shopify, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Ça vaut le coup de les investir là-dedans, quoi. Ouais, parce que même sur le long terme, tu pourrais même te permettre de revendre après la marque que tu as créée avec ces quelques produits. Ça, c'est aussi un bon point, ouais. Et moi, ça me fait penser aussi à un truc. J'ai déjà commandé des produits sur Amazon. Évidemment, j'avais commandé pas mal. Et j'ai déjà reçu dans un produit une petite carte, tu sais, avec un QR code. Et en gros, en fait, c'était marqué dessus. Alors, c'était en anglais parce que, bon, je pense qu'ils ne s'embêtaient pas à faire pour toutes les langues. Et en fait, en échange d'un avis positif sur le produit, en fait, ils te donnaient un bonus en plus. Alors, c'était une sorte d'upsell qui était lié au produit. Et c'était pas mal, justement, tu vois. Peut-être que tu as dû faire ça aussi sur certains de tes produits. Ouais. En fait, le truc Amazon, c'est qu'ils sont assez stricts là-dessus. Tu n'as pas le droit de demander un avis en échange d'un cadeau. Et tu n'as aussi pas le droit de demander un avis positif. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre... Moi, c'est ce que je fais, une petite carte à l'intérieur où tu dis, tu n'as pas le droit de dire, par exemple, laissez-nous un avis 5 étoiles si vous êtes satisfait. Tu dis juste, vous pouvez nous laisser un avis neutre, tu vois. Tu n'as pas le droit d'indiquer un avis positif. Tu n'as pas le droit de donner quelque chose en échange parce qu'Amazon, ils essayent de lutter un peu contre ça, contre les faux avis, les avis en échange de cadeaux parce que ça ne reflète pas forcément la qualité du produit sur leur plateforme. Ça peut induire leurs clients en erreur, ils risquent de perdre des clients. Et donc, moi, je ne conseille pas de faire cette stratégie parce qu'Amazon, ils peuvent facilement en fait, te bloquer ton compte si tu ne respectes pas ces règles-là, justement. Et ça, c'est une des règles qui a respecté. Toi, à l'époque où tu as commandé, peut-être que c'est assez récent. À l'époque, c'était possible de faire un peu plus de trucs. C'était il y a deux ans, ce produit-là. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ils sont vraiment stricts là-dessus. Donc, mettre une petite carte avec... ton site, tes réseaux sociaux par exemple, mettre un petit email si vous avez un problème, contactez-nous, mais par contre faut pas donner de cadeaux, faut pas payer des faux avis, etc., parce que
C'est quand même, il n'y a pas que des avantages sur Amazon. C'est un des inconvénients, c'est que Amazon, si tu respectes pas les règles, ils peuvent te bloquer ton compte, quoi. Voilà, alors justement, ça t'a fait directement la transition en fait sur ça. Quelles ont été pour toi les difficultés? Mais pour aller même un peu plus loin, j'ai fait donc une interview aussi avec du coup William qui lui était sur Amazon Merch à ce moment-là. Il avait fait un bon mois sur Amazon Merch, son plus gros mois. Et malheureusement, il avait vendu un produit. Alors, je ne sais plus exactement si c'était une phrase. Je crois que c'était une phrase de Kaamelott qui était sous licence. En fait, il a fait voilà l'erreur d'utiliser une phrase qui était enregistrée, donc sûrement à l'INPI également. Et en fait, il s'est fait sauter comme ça son compte Amazon du jour au lendemain. Il n'a plus la possibilité, premièrement, de récupérer son argent. Deuxièmement, il n'a même pas été remboursé de la pub qu'il avait payée. Et troisièmement, bah, son compte s'est fait clôturer. Il n'a plus la possibilité d'accéder à son compte. Est-ce que toi, c'est un truc qui te fait peur? Est-ce que tu considères que ça peut être une grosse problématique un jour? Si tu es amené, enfin voilà, on fait tous des erreurs. Est-ce que ça te fait peur ça? Est-ce que tu penses que ça peut être un gros problème? Ouais, forcément, tu le gardes toujours un petit peu dans un coin de ta tête, quoi. Après, moi, j'ai été formé entre guillemets au dropshipping où ça t'arrive souvent, tu te réveilles le matin, ton compte Facebook a sauté, etc. Donc, j'ai déjà un petit peu cette expérience-là. Et là, c'est vrai que bah là, par exemple, ton ami sur Merch, donc pour dire Merch, c'est une plateforme proposée par Amazon, ce qu'on appelle le print on demand, en fait, où tu mets tes designs, etc. Et derrière, quand tu fais une vente, Amazon, il l'imprime sur un t-shirt, par exemple, sur un mug, et il l'envoie à ton client. Et comme tu l'as dit, il faut faire gaffe à tout ce qui est copyright, etc. Et moi, c'est toujours un truc que je garde dans la tête. Et c'est pour ça que c'est important de bien respecter les règles d'Amazon, de faire attention. Et même en faisant attention, ça peut arriver que Amazon te bloque, vu que c'est un peu des systèmes d'algorithmes, etc. Parfois, ils peuvent voir que il peut y avoir, tu vois, une notification, un truc qui apparaît chez eux, qui leur dit qu'il y a un truc qui est louche. Moi, j'ai déjà eu, par exemple, je me suis déjà fait bloquer une fois. Et au final, tu leur soumets les documents, les vérifications, les banques, etc. Et si tu as tout fait bien, ils vont pas te ils te débloquent, en fait, tout simplement. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut être prudent. Et c'est aussi pour ça que derrière, j'essaye d'avoir des petits sites Shopify un peu sur le côté. Je me dis, au cas où, bon, si jamais Amazon me bloque, je suis pas non plus 100% sur Amazon, je peux toujours bénéficier un petit peu de d'autres vecteurs de trafic à droite, à gauche. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Mais ça, c'est un conseil un peu général de business. Et Amazon, si tu fais les choses dans les règles de l'art, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de règles, faut se tenir au courant, mais si tu respectes les règles, que tu n'essaies pas de vendre, voilà, des contrefaçons, des produits dangereux, que tu mets pas des faux avis, il n'y a pas vraiment de problème, parce qu'Amazon, ils n'ont pas de raison de te bloquer. Tu vois, toi, tu leur apportes de l'argent. De l'argent, de la visibilité d'une certaine manière grâce à tes produits, donc ouais, non, non, c'est sûr. Ouais, donc voilà, c'est sûr qu'il faut faire attention, que c'est pas. Si je pouvais éviter d'avoir ça, ça serait pas mal que Amazon, ils aient un peu moins, entre guillemets, le contrôle sur ton business dans ce business. Mais bon, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Tu peux pas avoir Après, les taux de sinon, conversion, les clients d'Amazon ah ouais, c'est ça. sans avoir, voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ouais, mais il faut le truc parfait, le business parfait. En fait, peu importe le business ou même l'invest, hein, l'investissement, il y a toujours en fait des problématiques. Voilà, là tu sais que sur Amazon, le gros avantage, c'est que tu vas bénéficier donc de toute cette force de frappe qu'a Amazon. Tu vas bénéficier de tous ces avantages-là. Mais tu sais qu'en contrepartie, il est possible que à la moindre, enfin, si tu fais une erreur, que tu puisses te faire fermer ton compte. Mais bon, comme tu dis, il faut faire attention et aussi il faut quand même toujours penser à avoir plusieurs, enfin, pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Ouais, c'est le jeu, et puis faut respecter les règles, et puis diversifier au plus que possible. Mais après, quand tu débutes, que tu es débutant, que tu commences à lancer ton premier produit, etc., pense pas tout de suite à faut pas penser tout de suite à diversifier. Focus-toi sur Amazon. Les problèmes, ils arriveront plus tard, quand tu commenceras à faire du chiffre d'affaires, et là tu seras plus expérimenté, tu sauras quoi faire. Exact. Donc ouais. Non, non. Donc, si le business Amazon vous intéresse, déjà, passe à l'action. Et pour ça, tu as une formation offerte. Tu vas en parler un petit peu? De toute façon, je mettrai le lien en description. Ouais, on peut le mettre dans la description. Bon, c'est tout simple. J'ai
La formation offerte, donc qui est une petite formation d'1 heure en fait, qui va aider les gens à comprendre. Je fais une étude de cas en fait sur un produit qu'on pourrait lancer. Excellent. Donc ça part de vraiment du tout début, donc de l'inscription sur Amazon, création du compte bancaire. J'explique la recherche de produits. J'explique comment contacter les fournisseurs jusqu'à la publicité sur Amazon et la vente du produit sur Amazon. Donc c'est 1 heure, c'est rapide à suivre. Les gens ils peuvent s'inscrire gratuitement, je leur envoie directement dans leur boîte email et puis ça permet en fait aux gens de décomplexifier le business, de voir comment ça fonctionne et puis de voir après s'ils veulent aller plus loin par la suite et se lancer dans ce business quoi. Forcément en 1 heure il n'y a pas tout, Ah, c'est c'est normal. pas ultra complet, mais si tu prends la formation gratuite plus je pose pas mal de contenu aussi sur ma chaîne YouTube où j'explique un petit peu le business Amazon avec ces deux ressources-là. Ça va déjà beaucoup aider les gens et ils peuvent tout à fait commencer à lancer leurs premiers produits avec ça et puis à la suite voir s'ils ne veulent pas d'autres informations plus poussées pour pousser leurs produits, pour avoir plus d'infos, etc. Ok, donc le lien de la formation sera en description. Donc si ça vous intéresse, Amazon, eh bien, Amazon FBA, eh bien allez-y, le lien sera juste en dessous. Tu parlais de YouTube justement, alors tu fais pas mal d'e-commerce, hein, dropshipping, Amazon FBA, et tu as également lancé il y a quelques mois ta chaîne YouTube. Pourquoi en fait? Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager? Et voilà, bah, parle-nous un petit peu ouais, de ta chaîne YouTube et ton contenu sur Internet. Ouais, en fait, j'avais commencé à créer du contenu sur le dropshipping aussi. Donc à l'époque où j'avais débuté, et je sais plus exactement pourquoi j'avais. Je pense que c'était juste, j'avais juste envie de partager un petit peu. Tu vois, en dropshipping, j'avais parfois des problèmes, etc. Et quand j'arrivais à trouver des solutions ou quoi, je m'étais créé un petit blog en fait où je partageais des conseils de dropshipping. Donc c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à créer du contenu sous le format blog. Ensuite, j'ai un petit peu laissé tomber le blog de côté. À l'époque, je faisais pas de formation ni rien. Je le monétisais juste avec un petit peu d'affiliation. Ça me faisait un petit peu d'argent sur le côté. Et puis, ça permettait d'aider des gens. Tu vois, j'avais tous les jours des gens qui me contactaient, qui me disaient, OK, cet article, il m'a pas mal aidé pour trouver des produits, etc. Ensuite, je me suis pas mal, comme j'ai dit, focus justement sur l'e-commerce. Et puis plus récemment, là j'ai vu que avec toutes les plateformes de création de contenu, la facilité aujourd'hui à créer du contenu simplement avec son téléphone, etc. Avant j'avais un gros blocage pour, je pense comme la plupart de gens, j'avais pas envie de montrer mon visage, de me filmer, etc. C'est un peu dur au début. Et puis je me suis dit, ça serait quand même intéressant de partager. Un petit peu ça. Maintenant, mes business e-commerce, ils sont un petit peu délégués, même si je travaille beaucoup dessus. J'ai quand même plus de temps. C'est pas en phase de développement. C'est plus, ils sont délégués, ils tournent un petit peu. Donc, j'ai cette partie-là qui me génère largement de quoi vivre sur le côté. Je me suis dit, OK, j'aimerais bien commencer. Je consomme moi personnellement énormément de contenu, que ce soit pro ou perso. Sur YouTube, et puis avec toutes les nouvelles plateformes de contenu court, TikTok, etc. Et je me suis dit, ça m'intéresserait bien, je vais tester, on va voir si ça fonctionne, ça me permettra de m'améliorer sur tout ce qui est, comme je l'ai dit, parler devant une caméra, prise de parole, pourquoi pas en public, etc. Donc c'est toujours des skills que je prends, ça me permet de diversifier un petit peu, etc. Ça me permet de développer, moi, mon personal branding, donc J'allais ma dire, ouais, marque ton personnel, personnelle. tu le mets en avant. C'est un truc, ouais. C'est un truc, je pense, qui est super important, même si, Clair. Ouais, même si tu fais des vidéos YouTube et entre guillemets, t'as pas de formation, tu monétises pas du tout ce truc. Je me dis, le fait d'avoir ma marque personnelle, même si aujourd'hui ça m'est pas forcément utile, ça peut m'être utile par la suite pour. Ça C'est servira toujours bien plus. d'être un peu visible pour développer son réseau. Ça peut toujours me débloquer une opportunité. Je peux dire des partenaires, etc. Donc auparavant. Ouais, auparavant, je m'étais lancé justement dans l'e-commerce en me disant, c'est cool, c'est un business où j'ai pas besoin, personne sait qui c'est, j'ai pas besoin de montrer ma tête. Et là, aujourd'hui, déjà, c'est assez intéressant, c'est enrichissant en plus de pouvoir aider des gens comme toi, tu sais très bien, vu que ta chaîne YouTube, c'est la même chose. Et puis, ça permet de développer des skills, son réseau, etc. Donc c'est vraiment. Comme tu l'as dit, je me suis lancé il y a un peu plus de 6 mois et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ça fonctionne bien, j'ai des bons retours.
Donc là, je vais continuer là-dessus, quoi. Sans pour autant, évidemment, laisser tomber l'e-commerce, parce que c'est toujours, je pense, mon business de cœur, numéro un que je préfère, mais toute la partie là, ouais, création de contenu, YouTube, etc., c'est vraiment un truc intéressant, quoi. Non, comme tu as dit, hein, y a vraiment beaucoup d'avantages en fait à créer du contenu. Déjà, d'une certaine manière, en fait, tu accompagnes, tu aides les gens. Et ça, y a peu de personnes qui en parlent finalement de ça. Mais moi, j'en parlais encore hier avec un ami. Et c'est vrai que d'une certaine manière, quand tu crées du contenu, que tu aides les gens, tu es payé en quelque sorte, pas forcément toujours financièrement, même si forcément derrière, tu crées de la valeur et tu es payé pour ça. Mais tu as un énorme sentiment de gratitude et de satisfaction à accompagner des gens. Moi, tous les jours, j'ai des commentaires, tous les jours, j'ai des mails, des personnes qui me remercient. Des fois, c'est juste des remerciements. Moi, j'ai eu un commentaire encore il y a quelques jours sur une vidéo que j'avais faite, voilà, par rapport à l'opération des yeux que j'avais fait. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais je sais que grâce à mes vidéos, cette personne a fait cette opération. Et enfin, concrètement, ça va lui changer pas mal de choses dans sa vie derrière, grâce à mes deux vidéos. Donc, enfin, tu vois, c'est du délire. Des fois, on ne se rend même pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, qui soit, enfin, évidemment positif. Alors, évidemment, des fois, il y a quelques personnes, qui vont te lâcher un commentaire un petit peu haineux, mais finalement, c'est assez rare. Et puis, ces commentaires-là, tu les dégages et voilà, ces personnes. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu ce que tu dis là d'aider les gens et tout pour les personnes qui ne sont pas forcément encore lancées ou quoi. Ça fait un peu bullshit entre guillemets. On se dit ouais, c'est un mytho, il dit ça pour vendre ses formations, pour vendre ses produits. Mais c'est vraiment évidemment, il y a quand tu crées du contenu, il y a aussi une partie, c'est un business quoi. Donc il y a une partie où tu génères de l'argent, etc. Mais le fait d'aider les gens, c'est vraiment pas un argument marketing ou quoi. C'est vraiment un truc qui fait du bien, qui fait plaisir. Enfin, c'est un vrai truc quoi. Même si c'est compliqué à comprendre quand tu le fais pas et que t'es pas encore lancé, mais c'est vraiment un vrai truc quoi. C'est ça, tu débloques en fait des personnes sur des situations. Et puis moi, c'est comme toi, hein, je regarde beaucoup beaucoup de contenu sur YouTube. Je suis un gros consommateur de YouTube. Et dès que j'ai une problématique, je vais toujours tomber sur quelqu'un finalement qui va apporter une réponse à cette problématique-là. Et c'est super enrichissant. Et cette personne, voilà, tu la remercies, quoi. Et en Ouais, plus, c'est top. Bah, tu développes ton personal branding, c'est super important aujourd'hui, je trouve, de développer un personal branding. Ça te permet d'offrir, enfin, ça te permet d'avoir des opportunités, de rencontrer des gens, d'étendre ton réseau. Donc, bah, finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à créer du contenu comme ça. Et, enfin, voilà, moi, je sais que j'adore faire des vidéos et je compte continuer à le faire encore pendant pas mal d'années. Et voilà, Ouais. c'est bien de le comprendre parce que c'est vrai que beaucoup de personnes aussi peuvent se dire, ouais, en fait, ils font juste des vidéos pour vendre des produits derrière, mais en fait, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus profond. Et il y a même des personnes qui ont peut-être déjà dû te dire, ouais, mais je comprends pas, alors tu fais énormément d'argent sur Amazon, pourquoi tu vas en plus faire des vidéos YouTube? Mais en fait, voilà, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est pas, c'est, après, il n'y a pas tout non plus aussi qui est lié à l'argent, tu vois, Il n'y a pas si que ça. c'est un truc qui t'intéresse, voilà, quoi, tu peux aller aimer jouer au foot sans pour autant vouloir être joueur de foot professionnel. C'est juste que là, la création de contenu, c'est pas compliqué à comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant de faire des vidéos. Et puis même moi, quand je fais des vidéos, j'apprends des trucs, des nouvelles stratégies marketing de vidéos que je pourrais faire sur TikTok, par exemple, que je pourrais réutiliser pour mon e-commerce derrière. Donc, ça se nourrit assez bien. Et puis, de toute façon, il y en a plein des gens comme toi, comme moi, qui sont entrepreneurs, qui ont un business un peu plus hors YouTube, hors création de contenu et qui créent du contenu, qui font des trucs sur YouTube, un peu partout, quoi. Ouais. Bon, je mettrai également tes liens. Voilà, moi ce que j'adore avec toi, c'est vraiment tes contenus courts. Enfin, je te le dis, tes vidéos longues sont, y a pas de souci, mais les contenus courts, franchement, j'adore. J'avais passé peut-être un petit moment, j'avais regardé quasiment tous tes contenus courts. Et voilà, je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est un peu drôle aussi. Enfin, c'est un peu une étude de cas en fait, hein. Tu vas avoir une situation où quelqu'un va faire une tâche, je dirais pas ingrate, mais qui est pas géniale. Enfin, voilà. Et en fait, on te voit, tu dis, ouais, c'est pas génial. Et après, tu montres en fait une solution d'un produit avec Amazon qui génère pas mal de chiffres. Et voilà, je vous invite, je mettrai les liens et puis regardez un petit peu ce que fait Arthur parce que vraiment, vraiment, c'est cool. Voilà, c'est sûr que ça, c'est pas du contenu de fou. Les gens vont apprendre des trucs ultra ultra poussés, quoi. Mais
C'est intéressant, moi en tout cas, cette stratégie de contenu court pour qu'il y ait des gens qui commencent à s'intéresser et puis qui par la suite regardent la formation gratuite, les vidéos YouTube, etc. C'est un peu ce qu'on appelle entre guillemets du putaclic un petit peu, mais voilà, c'est en 1 minute de vidéo sur TikTok, je peux pas décrire totalement tout le business model, Et mais tu montres comment c'est, je tu peux pense faire. que Ouais, ouais, tu montres voilà, j'ai plusieurs formats, ouais, j'essaye de montrer un petit peu des idées de produits, etc. Donc les gens, ouais, s'ils veulent regarder, ça va déjà, en tout cas, leur donner plein d'idées de produits qui se vendent sur Amazon avec les chiffres et tout, Non, puis avec une touche d'humour, et ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est quelque ouais. chose que t'as réussi à faire, et ça, je trouve ça cool. Je pense que je prendrai de l'aspiration sur ce que tu as fait dans quelques. Y a pas de souci. Non, franchement, c'est cool. Donc, je mettrai tous tes liens. Et puis, bah, si tu veux, on peut parler un petit peu de ton expatriation aussi, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Alors, moi, je suis toujours en France pour le moment. Voilà. Mais c'est vrai que j'envisage peut-être de bouger dans quelques temps. Comment ça t'est venu, ça? Quand est-ce que tu t'es expatrié? Est-ce que tu as fait d'autres pays? Voilà, si tu veux en parler un petit peu. Ouais, en fait, comme j'ai dit, donc je me suis lancé à la fin de mes études. Et puis, lorsque j'ai terminé mes études, j'avais toute la partie, comme j'ai dit, 5 euros freelance, même si le dropshipping fonctionnait pas, j'avais pas de quoi vivre avec le drop. Mais par contre, cette partie-là, j'arrivais à générer entre, allez, 1 500 à peu près euros par mois juste avec cette partie-là de freelance. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de, ouais. C'était avant le Covid, quoi. C'était fin 2018. J'écoutais beaucoup de contenu c'était vachement la mode de tout ce qui est nomade digital, etc. Et moi, ça me plaisait énormément, quoi. Quand j'ai terminé mes études, que je voyais que j'arrivais à générer ça, je me suis dit, eh ben, ça serait, c'était soit je trouvais un stage et je me lançais, donc en tant qu'ingénieur, soit je testais ça. Donc je me suis dit, ça serait dommage de ne pas essayer. Ça m'intéresse vachement. Et donc j'ai pris, des billets d'avion pour la Thaïlande. Donc je suis arrivé à Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande. C'est un coin La qui est très destination connu. des digital Ouais, nomades, Chiang Mai. Ouais, exact. Ouais. ouais, j'ai fait toutes les destinations. J'ai fait donc 2 mois à Chiang Mai. C'était ma première fois en Asie. Ça m'a beaucoup plu. Et à cette époque-là, du coup, ça m'a permis en fait déjà de dépenser peu d'argent parce qu'à l'époque je débutais et les business ils étaient pas aussi gros que ce que je peux avoir aujourd'hui. Donc ça me permettait de dépenser peu, de me soucier de rien parce que en Thaïlande tu peux facilement manger pour pas cher dans la rue, donc t'as pas à faire les courses, t'as pas à faire à manger, t'as pas à faire la vaisselle, tu peux facilement avoir une femme de ménage qui te nettoie ton linge pour pas très cher, tu peux trouver un appart pas très cher. Un coworking pas très cher non plus. Et moi, ça me suffisait pour vivre à l'époque. Et tout ce que je faisais, en fait, je taffais toute la journée pour développer mes business. Et c'est là que les business, justement, vu que j'avais beaucoup de temps, que j'étais 100% dessus, j'avais plus les études, j'avais plus rien. C'est là vraiment que les business ont commencé à exploser. Donc, j'ai fait 2 mois à Chiang Mai, j'ai fait 2 mois à Ho Chi Minh aussi, donc au Vietnam. J'ai fait 3 mois à Bali, donc en Indonésie. Excellent. Et puis, ensuite, le Covid est arrivé. J'étais à Bangkok et au final Bangkok c'est ce que la Thaïlande c'est le pays qui m'a le plus plu et Bangkok c'était la ville qui m'a le plus plu en fait de toutes les destinations que j'ai fait et aujourd'hui là depuis 3 4 ans à peu près je suis installé à Bangkok en Thaïlande. OK, donc ouais, en fait, c'est beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, puisque quand tu commences à générer des revenus sur Internet, dans ton cas, tu générais donc 1 500, 2 000 euros par mois. En fait, je pense que c'est là que tu te poses la question. En France, avec 1 500, 2 000 euros par mois aussi, bah, t'as pas grand-chose, quoi. Tu vas prendre un appart, bon, tu vas devoir prendre une voiture, finalement, tu peux pas faire grand-chose. Et là, pour les mêmes dépenses, on va dire, tu peux être dans un pays où tu peux faire beaucoup plus de choses, qui est beaucoup plus simple, où tu vas être dans. Tu vas prendre un condo, par exemple. Les condos, si je me trompe pas, t'as tout, en fait. Hein. T'as un appartement, t'as une salle de sport, t'as une piscine, enfin. Et en fait, et même pour moins cher. Donc en fait, tu vis mieux, tu as plus de confort, tu as plus d'avantages, ça te coûte moins cher. Et en plus, là-bas, je pense un élément aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-bas. Et je pense qu'au niveau de la mentalité et du réseau, voilà, ça offre aussi, je pense, beaucoup Ouais, d'avantages. le réseau, c'est aussi un truc super important ouais, quand tu t'expatries, quoi. Là, tous mes amis à Bangkok, c'est tous. J'ai beaucoup d'amis français qui bossent en ligne, en fait, comme moi. Et du coup, tu vas faire un resto, tu vas boire un café avec eux, tu discutes un petit peu business.
ça débloque pas mal de choses. Tu parles vraiment avec des gens qui vivent ce que tu vives tous les jours. Les gens, ils sont facilement accessibles quand t'es plus facilement quand t'es à l'étranger que si tu voulais rencontrer quelqu'un en France, par exemple, qui est un petit peu, Compliqué. on dirait, un petit peu plus haut niveau ou plus connu. Là, Compliqué, ouais. tu t'envoies un petit message ou quoi. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je suis arrivé à Chiang Mai, j'étais tout seul, je connaissais personne. Et puis le fait d'aller dans des coworking, j'étais sur des groupes Facebook aussi de dropshipping, de marketing. Donc quand je voyais que quelqu'un était à Chiang Mai ou quoi à Bangkok, je lui disais, est-ce que tu veux aller boire un verre, un petit peu échanger le soir? Et ouais, la partie réseau, c'est vraiment aussi un truc super important selon où tu t'expatries. Mais là, en tout cas, où je suis à Bangkok, c'est un gros hub d'entrepreneurs en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça, donc c'est aussi un point primordial, quoi. Ouais, c'est un bon accélérateur, hein, je pense, hein. Je pense que pour toi, c'était aussi un bon accélérateur. Ouais. C'est sympa de travailler à Bali, je pense. Ouais, c'est sympa. Ça donne pas très envie de travailler, c'est ça le truc. Ça rend vite feignant, mais et puis moi, je suis. Enfin, après, ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, je suis plus un mec de la ville, tu vois. Je préfère D'accord. Bah, tu vois, moi, c'est être l'inverse. en ville. Ouais, t'es plus la plage. Moi, je suis la campagne, Ouais. la tranquillité, ouais. Mais c'est bien, hein, c'est. Ouais, moi je suis. Après, l'avantage, tu vois, à Bangkok, c'est qu'en 1 heure d'avion, tu peux être sur des plages paradisiaques, à Ouais. Phuket, à Koh Samui, etc. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de la Thaïlande, c'est que si t'aimes la ville, Bangkok, c'est vraiment la ville à 100%, quoi. Tu peux pas faire plus. Il y a des condos dans tous les sens, des buildings, il y a du bruit, il y a des voitures. Moi, j'aime bien un peu ce côté dynamique, mais par contre, tu veux te faire un week-end avec des potes, avec ta copine ou quoi, c'est pas très cher de prendre des billets d'avion. Tu te prends un petit hôtel de 3 nuits à Phuket et tu passes de l'enfer entre guillemets de la ville, de la pollution, des scooters à des plages, les plus belles plages du monde. Donc ça, c'est vraiment aussi un point. Pas mal en Thaïlande, et puis t'es proche de plein de pays, t'es proche du Japon, t'es proche de la Corée, t'es proche du Vietnam, t'es proche de beaucoup de pays en Asie, donc ça aussi c'est assez cool pour si t'aimes bien voyager, faire des trucs un peu à droite à gauche, quoi. Surtout quand t'es comme nous, que tu bosses en ligne sur ton ordi, même si tu prends une semaine, je pourrais partir une semaine, 2 semaines à Phuket pour me reposer un peu à la plage et continuer de bosser au final sur mon ordi, juste à prendre mon ordi et avoir une connexion Internet, quoi. C'est top. Ouais. C'est top. Ça donne envie d'aller en Thaïlande, mais je pense qu'on se verra Ah à ouais. l'occasion. J'ai Ouais, prévu c'est clair. pour cette fin d'année. Donc ouais, non, c'est top. Et je pense que ça peut donner aussi envie à pas mal de personnes éventuellement de franchir le pas de l'expatriation. Et puis bon, il y a encore plein d'autres avantages, mais on va pas forcément tous les évoquer ici, peut-être fiscalement, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ça, effectivement, je pense que tu as aussi fait un bon choix d'aller là-bas pour avoir vraiment un accélérateur. Parce que s'entourer, tu peux pas vraiment vivre ça en France, à moins peut-être d'être dans une grande ville. Encore, si tu es à Paris, après, le coût de la vie, enfin voilà, tu peux Ouais. pas retrouver de situation comme celle-ci. Comme ce que tu as en France, c'est plus compliqué. Et puis tu parlais de Bangkok. Bangkok, je crois, est la première destination sur Nomad List, un site pour les nomades Ouais, digitales. c'est possible. Koh Samui également, je crois. Ouais, j'ai mon ancien coloc, il est justement à Koh Samui maintenant. Donc, ouais, la Thaïlande et Lisbonne aussi. Lisbonne, c'est aussi une destination qui est aussi. Ouais, Mais on est plus en là, Europe. Mais la Thaïlande, en tout cas, ouais. ça reste quand même encore De une. toute façon, pardon, ouais, la Thaïlande, c'est vraiment, c'est, il y a du bon internet, la vie est pas chère et il fait beau et les gens sont sympas, donc ça coche beaucoup de cases pour être nomade digital. Après, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient pas du tout la Thaïlande, mais je sais que il y a la plupart des gens qui habitent ici, en tout cas, ils se verraient pas vivre ailleurs, quoi. Ouais, donc bon, ça prouve peut-être que c'est vraiment cool là-bas, quoi. Ouais, c'est cool. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait un petit peu, on a vu un petit peu tout ça, un petit peu donc ton parcours, dropshipping, Amazon FBA, ton lancement sur YouTube, ton expatriation en Thaïlande aussi. Maintenant, voilà, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute là maintenant? C'est un peu la question que je pose, mais elle est super intéressante puisqu'on a tous un petit peu nos expériences différentes, nos échecs, nos réussites. Maintenant, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre
là maintenant et qui n'a pas encore lancé un business ou quoi, qui est vraiment en train d'hésiter. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben sans, ouais, de manière plus générale, pour entreprendre sans forcément parler d'Amazon, de e-commerce, etc., moi, je pense que le truc le plus important, c'est de faire des choses, quoi. C'est vraiment de commencer à faire des trucs. Ça peut être n'importe quoi, mais pas rester bloqué, en fait, dans cette partie de consommer du contenu ou alors de chercher des idées, qu'est-ce que je veux faire, machin, de faire des plans ultra élaborés, de dire je vais faire ça pour faire ça, etc. Là, pour quelqu'un qui regarde la vidéo, je dirais lance-toi, commence à faire des trucs. Si tu veux faire du e-commerce, il y a des moyens, même si tu n'as pas d'argent, de commencer en te lançant par exemple sur des plateformes comme TikTok, etc. Même si tu veux faire du contenu pour tu peux commencer à faire pareil aussi des vidéos sur YouTube. Si tu as un petit peu de budget, tu peux commencer à contacter des fournisseurs pour pouvoir lancer ton e-commerce, à regarder un petit peu des infos à droite à gauche. Mais je pense que vraiment faire des trucs et ne pas essayer de faire vraiment le truc parfait du premier coup. T'apprendras beaucoup plus en faisant 10 trucs pas forcément parfaits, qui marchouillent un petit peu, certains qui se plantent, plutôt qu'en faisant un truc parfait, parce que souvent tu vas te rendre compte que quand tu fais un truc, au final, la plupart du temps, ça marche pas, quoi. Donc tu risques vite d'être dégoûté. Alors que ouais, si tu commences à faire des petits trucs, comme j'ai dit, à regarder un petit peu des produits à vendre sur Amazon, à contacter quelques fournisseurs, il n'y a pas besoin d'un capital de fou, par exemple, pour se lancer sur Amazon. Tu peux commencer quelques centaines d'unités, ça va te revenir à moins de 1000 euros. Si tu es salarié, que tu as un petit salaire à côté, tu peux un peu mettre d'argent de côté pour penser là-dessus. Donc, ouais, vraiment, le conseil, c'est pas rester bloqué à trouver l'idée parfaite, à regarder des milliards de vidéos YouTube, même s'il faut se former quand même, c'est important. Mais commencer à faire des trucs, peu importe, n'importe quoi. Au pire, t'échoues, mais tu apprendras toujours des trucs, et puis au mieux, ça réussit, quoi. Mais c'est sûr que si tu fais rien, il se passera rien. Donc autant faire des trucs, d'autant plus ça s'adapte peut-être plus aux gens qui sont, je sais pas, étudiants, qui n'ont pas forcément de responsabilité, d'enfants, etc. T'as vraiment aucune raison de pas commencer à faire des trucs et à pas te lancer, quoi. Bah, je suis totalement d'accord avec ça, hein. C'est vraiment le passage à l'action, c'est pareil. Passer à l'action, j'ai entendu des centaines de fois, mais c'est que c'est un conseil qui est valable, hein. Il faut passer à l'action. La théorie, c'est bien, il faut se former, il faut découvrir des choses, il faut un petit peu ouvrir son esprit, prendre un petit peu la red pill, comme j'aime le dire, voir un petit peu d'autres horizons, mais il faut aussi passer à l'action, puisque c'est bien d'apprendre et de connaître des choses, mais il faut encore les mettre en pratique. Et il y a aussi un truc, tu l'as pas forcément, mais je pense que tu sais très bien. Mais il faut aussi accepter l'échec et même comment dire, embrasser l'échec pour même aller un peu plus loin. Tu lances des business, ça foire, ben c'est pas grave, tant mieux, j'ai appris et je vais en lancer un autre, etc. etc. Tu fais un test sur un produit, le produit se vend pas, ben c'est pas grave, t'en testes un autre. Mais au moins, tu apprends de tes erreurs et t'avances. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On a vraiment un peu ce blocage aussi de se dire, l'échec, forcément, c'est fatal, je me prends un échec, vas-y, c'est mort, j'arrête, quoi. Faut vraiment aussi persévérer et puis bah, Ouais, surtout on s'en fout que s'en tu te fout plantes, franchement, t'as perdu, au pire, t'as perdu un petit peu d'argent, t'as et un pas peu perdu de temps parce que t'as t'as appris, pas perdu du même temps pas, t'as appris des trucs, et puis même t'as fait un truc qui t'a intéressé. Si l'e-commerce, c'est pas non plus qu'un business, moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment, tu vois. faut être passionné aussi un peu quand même. Y a ce côté-là. Donc même si tu le fais, que ça a foiré, c'est pas grave, tu auras rencontré, je sais pas, des prestats, des gens qui pourront être utiles pour un prochain projet. C'est sûr que tu auras des nouvelles compétences qui vont être utiles pour la suite. Et puis même si ça plante, c'est pas grave, et ben au moins tu sais que ça, ok, il faut pas le faire. Et puis au fur et à mesure, plus tu fais des trucs qu'il faut pas faire, et ben plus le champ des choses qu'il faut faire se réduit, et puis au bout d'un moment, Exact. ça va marcher, quoi. Donc et les gens aussi, ils surestiment ils se disent, là par exemple, Alex ou Arthur, ils savent ce qu'ils font, etc. Ils sont déjà avancés dans le business.
Mais je pense que tu me rejoindras là-dessus. Moi, quand je lance un business, vraiment, je me dis, OK, bon, je me lance, je teste des trucs, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi, un peu ce syndrome de l'imposteur, je sais pas trop ce que je fais, etc. Parce que je sais que c'est comme ça que tu apprends le plus, que ouais, comme j'ai dit, si tu fais rien, il va rien se passer. Donc, au moins, si tu fais des choses, et que tu les fais intelligemment, que tu te formes, ça réduit encore plus les risques de se planter. Donc, ouais, même des entrepreneurs très, très avancés, c'est pareil, ils savent pas ce qu'ils font, ils font des trucs, ils voient ce qui marche, ils prennent ce qui marche, et puis voilà. Ouais. Et après, tu t'ajustes, hein, tu t'ajustes. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube au 1er janvier 2019, franchement, ça m'embête de regarder mes premières vidéos, quoi, tu vois. Pour te Ouais, dire, ouais, je me c'est suis vrai. demandé comment j'ai pu mettre ça sur Internet, surtout que ma deuxième vidéo, c'est celle, je crois, qui avait le plus de vues. Je suis à peut-être 200 000 vues dessus, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, tu vois. Je suis Ouais, à l'aise maintenant. faut y aller. Je m'exprime, je suis plus naturel. Au début, je suis là, ouais, bonjour, machin. Et je me dis, non. Mais le problème, c'est que si j'avais attendu que ce soit, on va dire, à peu près, je dirais pas parfait, mais on va dire à un certain niveau de qualité exigé, j'aurais peut-être toujours pas lancé ma chaîne. De toute façon, Et c'est impossible. Il y a peux pas. littéralement personne qui a lancé sa première vidéo YouTube, par exemple, pour l'exemple que tu prends, ou son premier produit e-commerce, et c'était parfait, quoi. Ça n'existe pas. C'est Non. comme si t'avais jamais tapé dans une balle de tennis de ta vie, et tu regardes des vidéos de tennis toute la journée, tu vas aller sur le court de tennis, et ben tu vas rien faire, et tu vas te planter, tu vas apprendre, et puis voilà, quoi. Ça... Ouais. C'est le boxeur pareil qui va s'entraîner chez lui, qui va taper toute la journée dans son sac de frappes. C'est bien, hein, il va être bon, mais le jour où il va arriver sur le ring, voilà, il n'y sera pas. Bah Il ouais. Ouais, sera pas. donc voilà, faut. Tu rentres dans l'arène, t'as beau t'y préparer mentalement, t'as beau apprendre tous les trucs qu'il faut, bah non, tu vas te faire défoncer, quoi. Donc, Non, ouais. c'est super important, on va être passé à l'action et surtout. Ben surtout d'accepter l'échec et puis de s'améliorer au fur et à mesure, d'avancer, d'avancer. Donc si vous regardez cette vidéo et que Amazon vous intéresse, eh bien ne tardez pas, enfin dites-vous, ne vous dites pas, bah ok, bah je vais attendre, non, j'attendrai peut-être d'avoir un peu plus de trésor, ou peut-être que dans quelques temps Amazon, ça sera peut-être mieux d'attendre 6 mois pour faire du Amazon FBA. Voilà, je sais pas, ou je vais peut-être attendre le Black Friday, il y a plus de ventes au Black Friday. Non, 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 passez à l'action maintenant et ne perdez pas de temps avec ça. Et puis c'est un petit peu aussi. Quoi qu'on dise, je trouve qu'on est un petit peu sur une pente glissante dans le sens où plus on attend, plus c'est compliqué. Tu vois, moi, par exemple, je vois Ouais. de YouTube, en 2019, c'était finalement beaucoup plus facile. Il y avait moins de monde dans ma thématique. Aujourd'hui, c'est effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont arrivés. Donc plus on attend, plus il y a de personnes qui se mettent dessus. On l'a vu avec le drop, hein. Le drop, c'était l'autoroute en 2016, entre 2016 et 2018. T'arrivais, tu mettais 5 euros par jour sur un produit et tu faisais énormément de ventes. Enfin voilà, tu avais des ROI de dingue, ça cartonnait. Et après, les gens sont arrivés, ça s'est popularisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Donc plus on attend aussi. Et bah plus c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est idiot d'attendre et il faut vraiment passer à l'action. Bah ouais, et puis tout le il y a ce principe d'effet cumulé, d'intérêt composé un peu qui fait que Également, c'est comme voilà. l'investissement. C'est pareil, hein. C'est comme l'investissement. Comme on dit, hein, le meilleur moment pour investir, c'était il y a soit 10 ans en arrière, soit aujourd'hui, quoi. Ça sert à rien de se dire tu vas. Ouais, c'est pareil, ouais, pour lancer son Le, deal. les personnes qui investissent dans la crypto-monnaie, j'entends beaucoup ça. Ouais, le Bitcoin à 30 000, non, c'est trop cher. Bah ouais, mais enfin à 15 000, les personnes l'achètent pas non plus parce que les personnes attendent qu'il tombe à 10 000, tu vois. Ouais, moi je m'étais intéressé à la crypto et c'était à l'époque, je me rappelle, le Bitcoin, c'était en 2017, je crois, et le Bitcoin, il était à 3-4 000 euros, il me semble. Ouais, à Et peu près. déjà, les gens, ils disaient que c'était trop cher, donc c'est. Ouais, Monter à 65 000, trop cher. Mais indirectement, voilà. les gens commencent à s'y intéresser quand ça monte. Tu vois, là, c'est remonté, ça, on a tapé il y a quelques jours les 30 000. Les gens, ah tiens, je peut-être, ouais, quand même. Mais non, mais il fallait en mettre quand il était descendu à 16 000 il y a 6 mois, quoi. Donc, Ouais. mais c'est comme ça. Et ouais, et surtout là avec Amazon, autant sur la partie US par exemple, anglophone, c'est beaucoup plus compétitif. Mais je pense que même encore aujourd'hui, en 2023, c'est quand même un business qui est relativement ouvert entre guillemets pour les gens qui font les choses bien et qui veulent se lancer. Je pense que c'est un bon business et qu'il y a encore de la place en Europe, en France, et il y a beaucoup moins de concurrence. Et puis de toute façon, on le voit, il y a beaucoup moins de vidéos de gens qui font du contenu sur Amazon FBA, sur YouTube francophone, que du dropshipping, par exemple. Ouais. Donc, bien, passez à l'action,
Bah écoute, pour conclure, quels sont un peu tes projets pour la suite? Qu'est-ce que voilà, parle-nous un petit peu de ce que tu comptes faire pour la suite. Donc sur la partie, je vais toujours continuer à développer la partie e-commerce. Sur la partie Amazon, là je vends essentiellement sur l'Europe et mon but c'est de d'étendre ces marques à la partie anglophone, donc États-Unis, Canada, etc. Donc ça va être un de mes focus cette année. Continuer la création de contenu, là ça fait moins d'un an, donc j'ai encore plein de trucs à faire, à apprendre, j'ai encore plein d'idées. Et puis ouais, voilà, c'est un petit peu mes plans là, e-commerce à fond, création de contenu à fond. Là, plus récemment, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est IA, etc., comme beaucoup de gens qui font du business en ligne. Exact. Pour l'instant, je me renseigne beaucoup. Je fais pas forcément des business entre guillemets, pas grand-chose avec, mais par contre, je me forme beaucoup parce que je pense que ça peut être un truc vraiment très très Carrément. intéressant dans le futur, que ce soit pour du e-commerce, pour du marketing, pour du contenu, pour tout ce que je fais. C'est un outil de fou. Et ça m'intéresse. Donc là, c'est aussi un point, je pense, cette année. Je sais pas quoi faire. Peut-être lancer un business dans l'IA. Je sais pas trop encore quoi, mais c'est sûr que à force de m'entraîner, de demander des trucs à ChatGPT, etc., c'est sûr que je vais avoir des idées qui vont venir et commencer à faire des trucs là-dessus. Mais pour l'instant, je sais pas. Donc là, ouais, comme j'ai dit, pour récapituler, focus e-commerce et puis création de contenu, quoi. Ok, bon, ça te fait quand même un programme un peu chargé, mais vie Ouais. d'entrepreneur, hein, de toute façon, on a toujours beaucoup, beaucoup de trucs à faire, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est cool. Eh bien, écoute, si tu as un petit mot de la fin, voilà, si tu as quelque chose à dire, alors pour rappel, hein, je mettrai tous tes liens en description, donc si ça vous intéresse de suivre Arthur, il y aura eh bien, la formation gratuite, donc la formation offerte d'une heure pour découvrir Amazon FBA, et puis le lien de ta chaîne YouTube, on mettra éventuellement ton TikTok aussi, tu as dit. Ouais, On verra en dessous. c'est là où j'ai le plus de trucs, quoi, Les YouTube. réseaux en dessous, voilà. Voilà, comme ça, les personnes pourront aller voir un petit peu ton contenu. Et ben écoute, je t'invite à. Voilà, si tu as un petit mot de la fin, vas-y, fais-toi plaisir. Bah déjà, je te remercie de m'accueillir sur Merci ta à toi. chaîne, première chose. Et puis, en mot de la fin, les gens qui téléchargent par exemple la formation, qui regardent un petit peu, qui n'hésitent pas à me contacter sur Instagram, sur les réseaux que tu vas mettre en dessous. Moi, j'ai pas une grosse chaîne YouTube, j'ai pas une grosse audience. Je suis pas à 100% sur la création de contenu. Je suis beaucoup plus quand même sur l'e-commerce, donc j'ai quand même du temps pour répondre aux gens. J'ai pas des milliers de personnes qui m'envoient des messages tous les jours. Donc, si jamais les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Et puis, comme je l'ai dit, lancez-vous, commencez à faire des trucs, formez-vous, intéressez-vous un petit peu. Et puis, ça va venir, même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que vous avez les bonnes idées, que vous avez les bonnes strates, que vous allez trouver ce que vous allez faire. C'est en faisant des choses, justement, que vous allez trouver ça. Donc, faites des trucs, n'importe quoi, créez du contenu, intéressez-vous au e-commerce, regardez la formation gratuite, etc. Et puis lancez-vous, quoi. Ok, bah écoute, merci en tout cas à toi, c'était très intéressant, très enrichissant, on a beaucoup discuté, mais effectivement, voilà, c'était vraiment, vraiment cool. Eh bien, je vais conclure à mon tour, donc merci une fois de plus Arthur pour cette interview, et puis nous, eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, une interview, peu importe, tous mes réseaux sont également en description, évidemment, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.